Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 8ème épisode de Samus Return sur 3DS, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, enfin pas tout à fait on s'est quitté la dernière fois, mais je vous avais dit que je ferais le chemin jusqu'à l'unité de sauvegarde la plus proche, et c'est fait. Et on se retrouve donc, on est toujours dans la zone 2, où on doit trouver encore deux Metroid. Notre chemin dans cette zone est presque terminé. On avait trouvé la dernière fois les bottes de Megaso, si je ne dis pas de bêtises. On va d'ailleurs regarder un petit peu les bonus de Samus, voir si je n'oublie pas quelque chose. Il me semble qu'on avait eu... Allons voir, ça le rayon de glace, ça on les avait déjà eu. Il y avait la boule de saut, je sais pas si on l'avait eu la dernière fois ou à l'épisode d'avant. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on est quand même pas mal au niveau des bonus. Et aujourd'hui, l'objectif ça va être de trouver au moins un des deux Metroid qu'il reste, qui devrait normalement se situer dans la zone là-haut ou là-haut. Je veux dire, je ne fais pas trop d'illusions, à mon avis, ils doivent être dans les coins qu'on n'a pas explorés, sachant que là c'est la limite inférieure de la map. On va plutôt aller vers la zone supérieure, et ben vous savez quoi? Plutôt que de rester là à parler et à dire de la merde, autant commencer tout de suite. Alors, par rapport à Metroid, il faut que je vous prévienne que on va commencer un petit peu à augmenter la cadence en termes de durée des épisodes. Parce que je trouve, à titre personnel, qu'on n'avance pas assez vite dans ce jeu, et c'est peut-être... Je dis bien peut-être, après je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer à votre place là-dessus, mais c'est peut-être l'une des raisons qui font que la série ne fonctionne pas très bien. Du coup je me dis que si je pouvais mettre un peu plus de rythme, pas forcément mettre des coupures partout, mais disons, faire en sorte qu'il se passe plus de choses dans un épisode standard, ce serait pas une mauvaise idée. Donc je vais essayer de les rallonger un petit peu, genre on va viser une durée standard de, je sais pas, 35 minutes au lieu de 30 par exemple. Et histoire d'essayer de progresser un petit peu et voir si je peux pas garder toutes les phases d'exploration, de recherche de bonus pour la fin du let's play quand on ira quand on retournera dans tous les secteurs pour récupérer ce qu'il nous manque. J'avoue que j'aimerais bien le finir à 100% en vidéo ce Metroid. Moi je pense très sincèrement qu'il en vaut la peine. Je le trouve vraiment très sympa ce Metroid. Bon, par contre il va falloir qu'on trouve le moyen d'accéder à la partie gauche là-haut pour justement atteindre la zone que j'aimerais explorer. Alors par contre, toi tu dégages, voilà. Voilà, je crois qu'il y a encore... Voilà, je vais toucher. On va grimper, voilà, super. Alors par contre, je sais pas trop si... Oh, attends, toi tu vas faire demi-tour, t'es gentil. Voilà. Là. Ok, toi tu dégages. Oh, saleté, non, 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 saloperie. Enfin bon, faut toujours que je trouve le moyen d'accéder à la zone là-haut. Enfin, quoi que je suis en train de me dire, avec Leon, j'aurais... Je sais comment je vais faire. Il y avait... Toucher... Ah, par là, toi. Elle venait par là, toi, de pimpon. Voilà, parfait. En fait, la zone à laquelle je voudrais, j'aurais voulu accéder... Elle est, normalement, juste là au-dessus. Et comme on a la combinaison éclair... Je pense que je peux passer à travers ces trucs-là. Alors, faut que je fasse gaffe à ma jauge d'Eon, moi. Voilà, comme ça, je peux passer. Et je devrais pouvoir atteindre ce que je veux. Alors, j'espère juste qu'ils n'ont pas planqué des ennemis par là. D'ailleurs, je suis en train de me dire. On va en profiter pour scanner un peu la zone. Ok, aucun item par ici. Et voilà, donc avec ça, on devrait pouvoir accéder à l'endroit que je veux voir. C'est encore au-dessus. Je suis à peu près certain que dans une des salles qui est au-dessus de nous, genre, je sais pas, je dirais ici à tout hasard, il y a, je suis à peu près certain qu'il y a un Metroid. Ça ressemble à une... Oh oui! Allez, bourrinage time! J'ai pas fait gaffe si t'avais le neurone comme quoi on pouvait te choper, monsieur Metroid. Mais ça n'empêche... Oh, est-ce qu'on n'obtiendrait pas un bonus pour passer de ce côté? Allez. Charge élémentaire... Sa boule de feu qui drop, elle fait bien bien mal comme il faut. Ok, esquive parfait. Esquive parfait. Tu dirais pas de mourir, monsieur le Metroid? Non, c'est une charge élémentaire encore une fois.
Allez, meurs, celle pour papier. Oh, un coin. Ah, attendez, je termine ça, il faut que je gère un petit truc vite fait. Enfin, c'est pas bien grave, mais je veux juste m'en occuper avant d'oublier. Eh, monsieur le Metroid, tu veux pas mourir? Ah, oh, merde. Ouais, c'est bon. C'est bon, par contre, il y a les portes vertes. Les portes vertes, on peut pas les ouvrir. En tout cas, c'est le 7ème Metroid. Parfait. Parfait. Très bien, bon, plus qu'un. Je vais juste vérifier un petit truc de mon côté. Je vous retrouve dans 2 minutes. Voilà qui est fait. Rien de grave, rassurez-vous. Alors, les portes vertes, rayons à ondes. Missile, je sais plus. Attends. Rayon de charge à ondes. Rayon de glace. Est-ce qu'il donne le détail dans la légende? On va regarder. Non, c'est pas ça, c'est là, je crois. Alors, porte verte. Ils le disent pas, mais en tout cas, on peut pas passer. Mais j'ai bien fait de venir là, parce qu'il y avait effectivement... Par exemple, quelque chose d'intéressant par là-bas. Ok, il y a juste un item, une fois qu'on aura l'item qui permet d'ouvrir les portes vertes. Ma foi, hein. Ok, bon, comme ça, au moins, on a scanné toute la zone. Et on va donc... Je me doute... Ça, c'est pas besoin d'avoir fait le jeu pour le savoir, mais je pense à titre très personnel que le dernier Metroid doit se trouver dans la partie supérieure droite de la carte. Donc il va falloir qu'on remonte sur le mur. Par contre, j'avoue qu'une unité de sauvegarde, ce serait pas du luxe là, les gars. Oh, ah, attends. Merde. Merde. Ah bah c'est parfait, il y en a une juste là. Et bon, on va la prendre, hein, parce qu'après tout, y a pas de raison. Et bien sûr, nous allons sauvegarder notre progression. Du coup, il va falloir qu'on grimpe en haut de la salle et qu'on continue d'avancer dans les sommets. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on va peut-être en profiter pour se refaire une petite santé. Parce que je voudrais pas dire, mais ce combat contre le Metroid, il nous a pas fait du bien, malheureusement. Et ce Metroid, moi je dirais même, c'est rien qu'un pimpon. C'est bon, je l'ai eu. C'est bon. Oh, il m'a donné des missiles. Ok, donc là, c'est la partie un peu plus dangereuse. Non, on bouge. Oh! Est-ce que j'ai fait une parade en l'air? C'était complètement métal. Ok, je vais essayer de grimper avec des bombes. Allez. Allez les gars. Bon. On tire, on va progresser un petit peu. Toucher. Allez, on va essayer de grimper par là-haut. Oh, qu'est-ce qui se passe avec les... Ah voilà, je préfère ça. Ah mais non, au moment où je dis que je préfère ça, ça fait de la merde. Attends, je... Après, il doit peut-être avoir un timing pour les ascenseurs de bombes, mais bon. Ok. On m'explique là. Ah, attends. Oh, attends. On peut se refaire une santé ici. Ah oui, c'est vrai qu'avec le rayon, ça traverse. Bon, je vais peut-être pas viser shit tonne de points de vie, mais disons remonter à 200, c'est pas mal. On a 177, ça devrait être rapide. 180. Ah, bah voilà. Et ici, toi. Couché. Ok, non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas qu'est-ce que je voulais. Dégage! Punaise. Bon, moi, ça va, on récupère des points de vie. Si en fait, il faudrait que j'accède à la partie. Ouais, nope. Faudrait que j'accède à la partie en haut à droite de la carte. Allez, non. Allez, s'il te plaît. STP. Je pense que je vais déjà me mettre en boule araignée. Oh punaise, j'adore comme l'explosion de lame faire tomber quoi. Mais Steven les gars! J'ai hâte qu'on récupère l'autospatial s'il est dans ce jeu.
Allez, on y était presque là. Putain, les mecs! Voilà. Ah mais non, là ça me fait descendre. Ah oui, donc il y en a un petit peu partout ces saloperies. Alors unité de sauvegarde ici, au pire je vais la... on va la prendre. Et on va... ouais, je pense qu'on va essayer de grimper par là. Parce que c'était le seul endroit... on va essayer de grimper au mur qui est pas très loin. Et puis c'est vrai que maintenant... alors je suis en train de me dire que je vais peut-être arrêter ça. Voilà. Maintenant je devrais pouvoir grimper. Ah oui, mais il y a ce truc là qui m'empêche de passer. Alors du coup, comment on y va? Allez, venez là les gars. Allez, charge. Voilà. Non, parce que là j'ai un peu l'impression de tourner en rond. C'est un problème que je qualifierais de problématique parce que là, ouais. Parce que là je suis... attends, quelque chose par ici. Non. Je vais tenter un truc, mais je suis pas certain que ça fasse. Donc j'ai fait tout ça pour une réserve de missiles. The fuck? En train de me dire qu'il n'y a pas de zone cachée. Donc le métroïde que je cherche n'est pas ici. Il n'est pas ici le métroïde que je cherche. Alors là ça va poser un problème les gars. Ah bon. Où pourrait être ce dernier métroïde? Parce que je pense que la carte, on l'a plus ou moins explorée à fond. Voyons voir. Où pourrait bien être le 8e métroïde? Alors là, elle est bonne celle-là. Où est le dernier métroïde? Je n'en sais strictement rien. Ah, est-ce que j'ai loupé un... oh, attends. Je vais tester un truc. Je vais remonter prendre l'ascenseur. Et si ça passe pas, je crois que je vais aller me documenter. Parce que je vais pas tourner là en rond comme un clampin, quoi. Parce que sinon, on est encore là demain. Et puis bon, j'aimerais bien changer de zone. Non, parce que c'est ça qui est paradoxal. J'ai trouvé 8 métroïdes en tout, mais il y en a 7 qui ont compté. Et du coup, ça pue un peu du slip, là, les gars. Je dirais même que ça chie dans la colle. Clairement. Ça chie dans la colle. Bon, on est de retour ici. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'on peut scanner? Ouais, non. Il n'y a rien par ici. Voilà, là il y avait un métroïde un peu plus loin, enfin un peu plus bas il y avait un métroïde. Et si je descends? Oh mais attends, je crois que je le connais ce coin. Ah oui, effectivement, je crois me souvenir de ce coin là. Non, c'était pas ici qu'il y avait le métroïde. Il va falloir faire vite. Et voilà. Qu'on a la réserve de... c'était une réserve de missiles, ok. Qu'est-ce que je fasse vite? Ah, j'ai pas assez d'ion pour l'activer. Faut juste que je puisse passer par là. Ok, on est bon. Bon, bah du coup, je n'ai pas... ah, oh, attends, je vais tester un autre truc. Et si ça passe pas, j'irai voir de quoi il en retourne. Attends, on a un gros orbe d'ion, au pire je le prends. Voilà. Remarque, au pire je peux passer par là.
Voyons voir. En fait, le truc que j'ai en tête, ce serait d'aller voir justement la statue de Metroid. Je sais que j'ai pas les 8 qui sont demandés, mais est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui apparaît à ce moment-là? Attends, je peux pas passer par là? Bon, et ben soit, on va passer par là, attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au pire, attends, c'était pas un téléporteur qui est en bas? Parce que si c'est un téléporteur, je vais le prendre. Je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de points de vie. Non, c'est pas un téléporteur ce truc-là. Hein. Vraiment rien en dessous de moi? Non. Oh, attends. On va refaire le chemin en sens inverse. Ah bah non, je l'ai eu. On va voir qu'on me dira maintenant. Je peux passer comme ça en mode à la one again. Parce que voilà. Là il y avait un Metroid. Ça je me souviens, on est d'accord. Ah, faut un missile. Voilà. En fait je vais retourner à la statue. Des fois qu'il se passe quelque chose. Si ça se trouve, c'est peut-être une connerie comme ça qu'il faut faire. Et si c'est pas ça, je vous avoue, je suis à court d'idées. Attends, là je suis passé là. On va redescendre par là. Parce que là il y avait un item, je me souviens. Attends, il y avait une porte là. Attends, hop hop hop. Voilà, je prends la porte. Ok, la porte. Oh, d'accord, ça mène vers une unité de sauvegarde. Au pire, je la prends des unités de sauvegarde, je vais la prendre. Et on va aller voir la porte. Parce que je sais, bon, j'ai pas tous les Metroid, mais il y a peut-être le 8ème qui apparaît une fois qu'on a les 7 premiers. Ils font parfois ça dans les jeux. Donc j'ai envie de dire pourquoi ils le feraient pas dans Metroid. Ok. Couché. En plus, la statue elle est juste en dessous de moi. Je descends en mode rien à foutre. Allez, c'est bon. Allez, on va aller les mettre et on va voir ce qu'il me dit. Il en faut 8, j'en ai 7. Est-ce que ça fait apparaître le 8ème? 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que le 8ème apparaît? C'était ce qu'il fallait faire. Bon! Attends, t'es en train de me dire que si je ramène les Metroid intermédiaires à la statue, le machin va me dire où ils sont? Mais c'est génial! Mais ça défouraille du pain bon, ma bonne dame! Ah, mais oui! Totalement! Bon, du coup, il va falloir que je refasse tout le trajet. Ah mais putain, saloperie! Vas-y, meurs, pourriture communiste! Voilà. Attends, c'est quoi ça? Oh, attends, c'est un téléporteur. Jusqu'où je... Où je peux me... Est-ce que je peux me téléporter plus près? Ce serait pas mal. Donc en zone 2, si je vais... Oh, mais attends. Un téléporteur juste là. Et c'est parfait! On va se téléporter directement jusqu'au Metroid! À haute santé! Avec la musique qui défoura et du pimpon! Non, parce que le Metroid il est juste à côté en fait. Couché. Metroid technique. Ah non, je vais dans le mauvais sens. Le Metroid est de l'autre côté. Attends. Ah, le signal est de l'autre côté. Allez, viens par là, mon gros. C'est l'heure de mourir. Voilà.
Attends. C'est quoi ce bordel? Je peux zoomer? Non. Est-ce que je peux zoomer? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un signal ici, là où je me trouve. Il y a un signal là où je me trouve. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Il y a un signal. Qu'est-ce qui se passe dans cet écran? Là, je suis trop loin. Il y a un signal à cet endroit très précis, là où je me trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Attends, ce machin a l'air de réagir quand je lui tire dessus. Si charge arrive. Un rayon de glace peut-être? Non. Les missiles ne lui font rien. Faut y aller au rayon à onde. Oh, ça a l'air de charger quelque chose. Non. Je comprends vraiment pas ce que je suis censé faire là. Je suis en train de bourriner ce truc, je sais pas ce que ça fait, mais je le fais. Oh là, puis le canard est d'accord, merci monsieur le canard. Je comprends pas, je vois pas ce qu'il faut faire. Plutôt que de rester là bloqué pendant 40 ans. Alors allons-y. Hein. Metroid, Samus. Return. Zone 2. Voyons un petit peu ce qu'il a à dire là-dessus. Alors, zone 2. Le 8ème Metroid. What? Non, parce qu'il y a un signal bizarre là, monsieur, je comprends pas. Hein. Au pire, attends, il y a une map, est-ce que je peux voir? Où est tout ce bordel? Ok, apparemment, le dernier métro est dans la zone qu'on n'a pas exploré en bas. Donc, au pire, on va essayer d'y aller. Hein. On va essayer d'y aller. Donc, le signal qui est par là. Non, parce qu'en plus la boule araignée fonctionne pas ici quoi. Ah bah voilà. Ok. Il y avait cette zone là où je pouvais passer. Je suis vraiment un boulet. Au cas où vous ne le sauriez pas. Peut-être avoir besoin de... Ok. On passe là-dessus. On va être tranquille au point de poète, voilà. Ok, donc à mon avis le dernier métro. D'après la carte que j'ai vu, le dernier métro il est ici. Salut mon gros. Comment ça va? En plus, ok, il y a une charge de feu, c'est logique, on est dans un boss volcanique. Allez, c'est l'heure du bourrinage! Il a pris bien cher avec le contre là. Non. Eh, monsieur le Metroid! T'es moche! Monsieur le Metroid! T'es moche, tu sens mauvais! Aïe! Bon d'accord, t'as pris une douche! Je me suis pas parlé de toi. Là, attends! On va peut-être pas crier victoire trop vite, le métro il est toujours vivant. Yep, hop, 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 salut mon gros! Salut mon gros! Hop! Voilà, merci monsieur le canard. Parfait! Ça m'avait l'air d'être le dernier. Ouais, il y a l'ADN, c'est bon. On a les 8 métroïdes de la zone. Allez, là maintenant, la statue est disponible. Parfait. Parfait.
pas cacher un item ici des fois. Non. Bon bah maintenant que c'est fait, on va reprendre le téléporteur. Et direction la zone numéro 3. Alors, on va peut-être remettre le rayon de glace pour qu'on puisse passer. J'avoue que j'aime traverser sans me faire mal. T'as lu ce que je ne saurais trop vous recommander. Voilà, le téléporteur est juste là. Direction la statue. Donc oui, je veux me téléporter, cher monsieur. Donc en zone 2, et j'aimerais aller là. Du coup, je suis dessus, voilà. Ah, si seulement j'avais poussé un petit peu l'exploration la dernière fois. J'aurais pas eu à aller voir un truc évident sur le net. Parce que là, oui, c'est évident, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Ok, est-ce qu'il y a une unité de... Oui, il y a une unité de sauvegarde de l'autre côté. Allez, viens là, toi. Et tant qu'à faire, j'aimerais prendre aussi une unité de sauvegarde sur le chemin. Voilà, le problème c'est qu'il faut que j'aille encore plus haut, non? Ouf, remarque. Je peux passer par en bas, selon toute vraisemblance, il doit y avoir des unités de sauvegarde dans la prochaine zone. Puis bon, de toute façon, l'exploration de la zone 2 n'est pas encore tout à fait terminée. Il faut qu'on aille justement explorer la zone en dessous qui nous mène à la zone 3. Voilà, nice. Ok, ben on va aller mettre le dernier Metroid. Et voilà le travail. Avec ça, ça fait 13 Metroid sur 40 d'éliminés. Oh, j'avais même pas fait gaffe que la statue te remettait tous les points de vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Ok, il y a deux items cachés dans le coin. On va essayer d'aller les récupérer. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. C'est sur le chemin. On peut faire un petit détour vite fait. Allez, le premier par là-bas. Ok, bah c'est de l'autre côté. Faut pouvoir défoncer ce truc-là. Le missile ne fonctionne pas. Ouais, rien de ce qu'on a n'a l'air de fonctionner. Ok, ouais, il reste plus beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais quand même aller voir l'autre item qui est de l'autre côté. Voilà, ça qui dégage. Ces machins-là, ça va me... vous allez me lâcher le slip, bordel! Au pire, toi je t'esquive. Ok, là on va avoir besoin d'un petit peu de protection pour atteindre l'item, je suppose. Et c'est une réserve de missiles. Ok, bon, on va préparer la combinaison éclair. Histoire de pouvoir passer en mode tranquillou, je dirais même poète-poète. Attends, je peux pas passer. Ah, c'est ici. Ok, hop, et on récupère une nouvelle réserve de missiles. Je pense qu'on va annuler ce truc là. Et on est dans les dernières cases de la zone. On va quitter la zone 2 aujourd'hui. Yay! Ah, parce que ça fait un petit moment qu'on y était. Je me suis en train de me dire, je trouve qu'on commençait un peu à s'éterniser dans ces zones. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis bien content de quitter cette zone, moi perso. À titre purement personnel. Ok, rien d'intéressant par ici. Donc on descend. Je suis censé passer de l'autre côté. Ok, soit. Oh, attends, je crois que je sais par où il faut passer. On remonte. C'est la zone là, à mon avis, il faut passer. Ouais, c'est là. Voilà, on descend comme ça. Et normalement avec ça, voilà, on arrive à la sphère. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut ici? Un truc... Ok, bon, bah, allez, direction la zone numéro 3. Alors, combien de Metroid dans cette prochaine zone? Combien de Metroid? Allez, j'ai parié sur 6. Pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on n'a pas trouvé la statue. Je pense que l'objectif, ça va être statue plus unité de sauvegarde, on verra bien. En tout cas, on va révéler un petit peu la carte autour de nous.
Ok, la statue n'est pas loin. La statue, dans tous les cas... Oh, qu'est-ce que c'est que ces robots, là? Alors, on va les plier, les leur péter la gueule. Ok, je crois qu'on va avancer, on va... Oh! Voilà, tu vas mourir, toi. Ok, bon, la statue est juste là. Parce qu'il faut... 10 métroïdes! 10 métroïdes dans la zone 3. Eh ben, on va se marrer. Moi qui trouvais que 8 c'était beaucoup. Attends, est-ce qu'on peut avoir un signal pour le premier? Les données d'ADN Metroid sont des... Ouais, bon, vous pouvez essayer, hein. Je vais mourir. Je reprends où? J'espère au moins que je reprends dans la zone. Ce serait bien. J'aimerais bien reprendre dans la zone, les gars. S'il vous plaît? Monsieur, dame? Ouais, arriver dans la zone 3. On sait qu'il faut 10 Metroid. Allez, bourrinage time. Voilà, bon. 10 Metroid, voilà, il y a ce truc là qui apparaît. Ok, bon, on va essayer de trouver. L'objectif c'est juste de trouver une unité de sauvegarde. On s'occupera du reste plus tard. Et il y en a une droit devant, j'ai l'impression. Ok, unité de sauvegarde juste ici. Il y a pas mal de robots de défense, j'ai l'impression. Mais oh putain, il fait mal l'enfoiré! Enfin bon. On va prendre l'unité de sauvegarde et je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. On a quand même pas mal progressé, on a terminé le pétage de Metroid de la zone 2 et la zone 3 risque de nous occuper pendant encore un petit moment. Mais bon, si on arrive à mettre du rythme, à progresser assez vite, on peut faire ça en une semaine, ce qui serait quand même vachement bien. Allez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode, j'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, c'est pas me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir, ça non plus. À laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous si tu as envie, tout ça, vous le savez, la chaîne, ça fait plaisir. Je sais que je ne l'ai pas rappelé au début de l'épisode, mais il y a toujours les moments épiques et les fails pour les compiles avec hashtag épique EPIC, hashtag fail, FAIL pour et le mot exact de ce que vous voulez, j'ajoute à la compile. Et écoutez, en attendant le début de notre exploration de la zone 3, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!